Pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Les choula pichou, comment vous allez? On enchaîne les vidéos, on enchaîne les tutos. Je sais que t'aimes bien, fais péter les euros. Dis-moi pourquoi t'as pas les freestyles, dis-moi pourquoi tu lâches pas les likes. Merci à tous ceux qui vont sur mon site internet malexsgo.fr et qui activent la cloche pour les notifications. Comme ça, bam, tu sais quand il y a une vidéo, tu sais quand il y a un tuto, tu sais quand il y a du niquage de merde. Donc aujourd'hui, tuto, vidéo spéciale un petit peu sur les patterns. Donc là, je vous montre ça un petit peu en général. Donc là, on est sur l'épisode 1, il va y avoir un épisode 2. Donc là, on va s'occuper des rifles et après, on s'occupera des SMG. SMG, les PM, quoi, les mitraillettes. Donc là, je vous montre un petit peu les patterns, grosso modo. Et ce que vous allez pouvoir visualiser tout de suite, immédiatement, c'est le fait que de 1 à 10, grosso modo, c'est tout le temps la même chose et ça fait que descendre en ligne droite. Et après, il y a un jeu à droite, un jeu à gauche. Ça part plus ou moins en couille ou pas en couille. La Galile, concrètement, vous voyez bien que la Galile, c'est du grand n'importe quoi. Pareil pour le FAMAS, là, elle nous fait un WXYZ. Tu vois, genre, carrément, elle nous fait l'alphabet, le FAMAS. On va aller directement sur le serveur et on va aller parler de ce qui se passe. Donc là, on est sur IMBots, pour ceux qui ne connaissent pas la map. C'est écrit en haut à gauche, la ligne verte, c'est IMBots. Vous allez sur le workshop si vous la voulez. Donc là, j'ai mis le SV Show Impact, etc. Donc le pattern de la K, on connaît, hein. Ça monte, après ça bouge. Mais de 1 à 10, bah ça fait que monter. Pareil. Vous voyez, ça monte, après ça bouge. Pareil pour le FAMAS. Ça monte plus ou moins. Même si là, il y a une balle qui part en couille, ça reste plus ou moins en ligne droite. On va dire que si on partait sur l'épaisseur d'un skin, ça reste plus ou moins sur l'épaisseur d'un skin. Ça veut dire que si vous êtes là, que vous faites que ça, bon, et qu'on part des pieds, on va partir des pieds. Voilà, vous allez le tuer. Genre, c'est... Voilà. Sans bouger, hein. Je bouge absolument même pas ma souris. Voilà. Ok, bon, là, on va partir en couille. Donc tous les noobs qui savent pas tirer, qui font ça, sans bouger leur souris, tu sais. Ils attendent juste que le recoil, machin, il baisse et voilà. Donc vous comprenez bien que le jeu est totalement fait pour être maîtrisable. Les patterns, vous avez peut-être l'impression que ça part en couille, mais en réalité c'est hyper simple, il y a juste à descendre en ligne droite. Donc si je me mets à la tête, sans viser la tête, parce que mon but c'est clairement pas de viser la tête, sinon je vais le tuer rapidement. Si je me mets ici, voilà, je descends. Voilà. Et je peux faire pareil avec absolument toutes les armes. Voilà, je descends, c'est tout. Bon, là je contrôle un peu. Je descends. Là je fais que de la ligne droite. Ouais. Il faut que vous vous entraîniez à faire ça pour essayer de les maîtriser. Et puis c'est tout. Genre, si vous maîtrisez les. Voilà. Bon, la M4 elle est vraiment simple. Si vous maîtrisez juste les 10 premières balles, ça va amplement. Je descends. Regardez que mon crosshair, regardez pas les balles. Je fais que descendre en ligne droite. Je vais ni à droite ni à gauche. Ok, regardez. C'est pour ça que ce jeu est casualisé. Je fais que descendre. Regardez que mon crosshair. Je descends en ligne droite et vous maîtrisez ça. Pour les rifles, en tout cas, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. Et après, il faut contrôler et un petit peu maîtriser le pattern. Donc si là, attends que ça part en couille, là après, il faut un petit peu contrôler de droite à gauche. Après, il faut faire un petit peu des droites gauche. Donc là, si je laisse partir en couille, là, je vais aller sur lui, par exemple. Voilà. Et là, maintenant, je suis en droite gauche. Voilà. Donc là, hop, je laisse partir en couille, et là, maintenant, je vais tuer lui. Et là, je le contrôle en droite gauche, un peu sur lui, et là, je le tue. Il faut faire ça avec avec toutes les armes, vous pouvez le faire. Donc là, vous laissez partir en couille, et maintenant, hop. Juste en droite gauche, waouh, j'y vois rien. Et là je vais tuer lui. Là je vais tuer lui. En contrôlant que de droite à gauche. Pourquoi? Parce que les patterns font que des lignes droites jusqu'à 10 balles, etc. Donc vous, le plus important, c'est que vous appreniez à maîtriser ce pattern de 10 balles. D'accord? Que vous ayez vraiment l'habitude de faire ce mouvement à la verticale en essayant de ne pas bouger de droite à gauche avec tous les rifles. Ok, donc on se voit bientôt pour l'épisode 2
avec les SMG. Je vous embrasse tous les Cafardinos et merci à tous ceux qui s'abonnent et qui activent les notifs comme je vous l'ai dit sur le site internet. Big up. Black boy, we ain't gonna lie to you. Black boy, we don't like the sight of you. Pull up on the side of you, window roll down, profile. Then we wonder why we see this side of you.